Elle a fermé son micro. Moi, je discute pas avec. Voilà quoi. Voilà. Faut laisser Avec la personne quoi? en avis. Moi aussi, je suis mère de famille. Diva, non, de ma personne. Faut laisser ça là. Hein? Faut laisser ça là. La mère, elle va donner son avis. C'est son avis. Voilà. Faut laisser mon avis. Elle va plus du gamin. Voilà. Donc voilà. Cet enfant-là, son caractère est très fort. Ça, c'est mon avis, je donne. C'est mon avis à moi. J'ai dit, si il s'avérait que ces deux enfants, c'est pas Buzz, et que vraiment, il y a une question d'amour entre eux, si c'était ma fille à moi, j'allais enlever ses pieds-là. Parce qu'elle ne peut pas supporter le caractère de cet enfant. Parce que son caractère est plus fort qu'elle. Pourquoi? La petite là, peut-être qu'elle a du caractère, mais pour lui, elle est plus fort qu'elle. Elle ne pourra pas. Maintenant, si je dois faire du business ensemble, ça, il n'y a pas de problème. C'est une histoire de business, c'est un contrat ici, ensemble, tout, tout. Mais le bouton est obligé de s'imposer pour faire comprendre à cet enfant-là que s'il y a quoi que ce soit, elle est là. C'est-à-dire, elle s'impose pour ne pas que plus tard, on bafoue sa nièce. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et elle a expliqué, moi j'ai bien compris. Sinon, Makoso, c'est un pasteur. Il ne peut pas venir dire là que ouais, ma fille sort avec Assel. Pourtant, l'enfant, il n'est jamais venu se présenter, ni fiancé, tout autour. Il ne peut pas. Parce que s'il dit ça, lui, il est pasteur. Sa fille n'a pas été fiancée, tout autour. Et il va venir se mettre là pour dire non, ma fille sort avec, comment il s'appelle, Assel. C'est mal vu. Tu comprends mon mentir? C'est mal vu. Donc, beaucoup. Et il est obligé de dire, ma fille ne sort pas avec Axel. Ça, je suis d'accord avec lui. Voilà. Maintenant, si moi, pour moi, je préfère que ça soit du business, chacun se fait les sous, se met dans la poche, c'est bon. Maintenant, Axel, c'est tanté béninois qui sont là, qui ont mal au cœur. Il y a beaucoup de filles au Bénin, il est allé les prendre là-bas. C'est mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un type béninois. C'est pas comme ça on parle, madame. On dit comme ça. Donc, quand Divine va venir, chérie, vous allez trouver que non, Divine parle okay, mal. Au revoir. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que sinon, nous aussi, on n'a jamais vu de pasteur qui est super bien pour des gens. Bien sûr, on a même le pasteur qui est super bien. Parce que ça va vraiment dans les pays. Madame, il y a un monsieur béninois. Madame. Caprice, non? Arrêtez ça, non. Arrêtez ça. Parce qu'on va rentrer dans les pays, on va s'en sortir. Parce que vous êtes trop comme si c'est juste on est fier, on est fier. Chalia vient de Béninois qui n'est pas fier d'un Béninois, on est mal fier. Non, on est digne, on a la dignité chez nous. Yasmine, tu es de Béninois. Attendez, fermez vos micros, il a donné la parole. On a la dignité chez nous, faut comprendre ça. Alors, profite papillon, pardon, ouvre ton micro. Moi-même, je parle avec vous là, mon mari, il est Béninois, ma chérie. Mais même ton mari est Béninois, tu n'es pas Béninois, ma chérie. Mais ton mari est Béninois, tu ne comprends pas comme ça. Ça, c'est un bon ça. D'accord, Prince. Prince, ouvre ton micro, tu as la parole. Merci. Bonjour, bonjour d'abord. Bonjour. Moi, ce que moi je voulais dire, c'est que quoi? La petite Kimi, déjà, elle, bon, vu que c'est une petite fille, elle a juste pris, je peux dire qu'elle a juste pris les choses au premier degré. Ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu, en même temps, elle s'est jetée dessus. Et elle est montée dans le live de Axel pour lui faire des reproches, pour le réprimander, en fait. Et ce que moi, j'ai pas un peu apprécié de son côté, c'est que quoi? Il pouvait lui dire calmement, elle est venue dans le resto, même si elle a manqué, elle lui a dit des choses pas gentilles, qui ont été des propos un peu déplacés, mais c'est dans le respect qu'elle a fait. Elle a fait dans le respect. Il pouvait lui dire, non, je ne suis pas d'accord, mais pour l'instant, laisse, après, on va parler. En tant qu'une grande personne qui est beaucoup plus âgée qu'elle. Pendant qu'elle parlait, lui a dit qu'elle arrête ce qu'elle a fait là. Et voilà, elle sait très bien qu'il l'aime pas. Donc, elle devait l'arrêter sur place. Parce que déjà, lui a montré que non, ça allait qu'elle fait pas exprès ce qu'elle a dit là. Certes, tu n'as pas cessé, et puis elle a continué dans le débat. C'est un coup monté. Elle attendait, ils attendaient le petit là. C'était un coup monté. Quand soit tu viens venir défendre les dits de Kimi là, reconnaissez aussi que t'as que Kimi quand il lui disait que non, moi je me suis excusé. Et ce que tu as fait là, ça ne me plaît pas parce que tu pourrais rentrer dans mon e-boss parce que tu le sais que ce que tu as fait, elle pourrait s'arrêter. Ça la reconnaissait aussi, mais elle ne s'est pas arrêtée. Quand il est descendu, elle a continué derrière lui encore.
Non, en fait, les gens ne savent pas une chose. À ses abonnés. Même aussi, ils sont partis dire là-bas. Donc, non, façon, ils s'en excusés là. C'est même Adrien venu dire à qui, monsieur, sinon, ah, ils s'en excusés. Et puis, elle n'allait pas parler, peut-être, elle allait parler en privé. Pas de l'humilier aussi devant ses abonnés. Parce... Non, mais Antti, il y a des gens qui ne comprennent pas une chose. Hein. L'histoire s'est passée à un jour d'intervalle. Hein. Ça ne veut pas dire que genre, il a manqué de respect. Et puis, c'est le même jour. Comme ça, il parlait à ses abonnés. Sur côté. Ça va être comme ça qu'il parlait, puis ils étaient là. Tu connais ça, il vient se mettre en tout cas avec Kimi. Donc, c'est pas Kimi, tu peux venir arranger ça là aussi. Non, en fait. Donc, ne mettez pas la petite aussi dans les bouches, des gens. Non, mais. Parce qu'il a mis ses abonnés avant de venir. Ils sont comme ça avant qu'elle va arriver. Et ça était toujours comme ça. Non, Antti. C'est ça aussi. Non, mais Antti, en fait, moi je vois que. Moi je vois que. Moi je vois que. Il y a une incompréhension. Excuse-moi, Prince. Moi je vois que. Allô? Attends, Antti, il y a une incompréhension. Il y a des gens qui ne comprennent pas une chose. Ils ont l'impression que Axel a parlé mal directement à ses abonnés. Et après ça, la petite est rentrée directement. On va pas rentrer dans tout ça là. Laisse les 20. Non, mais c'est pour leur faire comprendre que ça a été 24 heures d'intervalle. C'est-à-dire que ça s'est passé hier. Il s'est excusé hier. Et le lendemain soir, tu reviens encore sur cette histoire où il a déjà parlé à ses abonnés. Ils sont déjà passés à autre chose. Ça ne s'est pas passé le même jour. Donc vous devez comprendre ça. Ancha 12-12, on dit quoi? Comment tu vas, mon cœur? Tu veux monter? Vas-y, mon frère. Antti. Antti. Oui. Oui. Excuse-moi, si le gars là finit là, je peux parler. Oui, oui, vas-y. C'est tout, tu dis ça. Ok, merci. Ah, c'est Yassine. Moi, c'est qui, moi, je vais. Vas-y, tu as 5 minutes. Ah, d'accord. Attends, il n'a pas encore fini. Ok, ok. Voilà, moi, ce que je le disais là. Fais ta demande, Aïcha. Elle a voulu le recadrer, mais juste que, elle, c'est à sa manière qu'elle a voulu le faire. Maintenant, moi, j'ai vu que tout est parti sous l'effet de la colère. Tout est parti sous l'effet de la colère. Parce que lui-même, Axel, moi, j'ai suivi son live où il causait, il parlait avec des personnes beaucoup plus âgées que lui. C'est pas comme si je ne l'aime pas, hein. Mais c'est mon point de vue que je donne. Des personnes beaucoup plus âgées. Oui, c'est ton point de vue. On en discutait même pas même. Ils discutaient même avec eux. C'est-à-dire qu'ils discutaient, ils ne leur donnaient même pas la parole. On essaye de le calmer même, ils voulaient pratiquement rien savoir. C'est-à-dire que quand on dit un, lui, automatiquement, il s'oppose. Bon, déjà, avec des grandes personnes, quand tu discutes comme ça, déjà, c'est un manque de respect. Mais eux, ils ont gardé leur sang-froid. Ils ont essayé de le calmer. Vas-y, mais quand on te parle, prends la peine d'abord d'écouter. Parce que c'est comme toi, tu veux qu'on t'écoute, mais toi, tu ne veux pas nous écouter. En toute chose, là, c'est pas l'âge qui compte. Hein, parce que l'âge, là, ce n'est qu'un chiffre. Mais là, c'est d'avoir le discernement. Même si la petite est venue te parler, tu n'as pas apprécié, tu laisses. Toi qui es le grand, là, tu laisses. Après, tu l'écris pour lui dire... Ce que tu as fait, je n'ai pas apprécié. Plus jamais tu vas le faire. C'est toi l'homme. L'homme doit s'imposer. L'homme doit s'imposer. La femme, là, elle a toujours été comme ça. En public, là, elle a toujours ouvert la bouche pour parler. Mais toi, l'homme, tu dois avoir le discernement. Tu dois être calme pour savoir gérer les choses. Mais lui, il s'est laissé emporter par la colère. Moi, j'ai vu que tout ce qui s'est passé, là, c'est sous l'effet de la colère. Et ça a engendré beaucoup de choses. Sur beaucoup de faits qui se sont passés dans l'affaire de brunch, bon, il n'était pas content, voilà, il n'y a pas eu de reconnaissance, tout ça là. Bon, moi j'ai vu que nous, on n'est pas là-bas. C'est ce qui s'est passé, ceux qui étaient présents là. C'est en fonction de tout ce qui s'est passé là-bas que les faits ont été reflétés. Donc, selon ce que nous, on a vu à travers les réseaux et à travers les dits de chacun d'entre eux, si nous, on veut parler là, Kimi, elle a juste, de son point de vue, elle a juste voulu le recadrer pour dire, ah, ce que tu as fait hier. Ça, c'est une dispute. C'est comme, vous êtes ici aussi, là. Vous pouvez dire ça à votre mari ou à votre copain. Ah, mais ce que tu as fait hier, là, moi, j'ai pas apprécié. Et automatiquement, il se met en colère. Bon, moi, de mon point de vue, j'ai vu que c'est lui qui n'a pas le discernement. C'est-à-dire, il n'a pas été sage, en fait. D'accord, voilà, c'est monsieur Prince, laissez-le parler. Pardon, laisse le vent finir. Il faut conclure, donner la parole. Il pouvait lui dire oui, j'ai été sous l'effet de la colère, j'ai eu à discuter, mais en fait, je me suis excusé, laisse. Après, on va parler de ça, toi et moi. Mais automatiquement, il s'est mis en même temps en colère. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé.
Moi, je suis en train de la parole à quelqu'un d'autre. Oui, il y a Yasmine, tu vas intervenir. Après Yasmine, les deux dames-là, elles vont parler plus de la parole. Voilà. Merci beaucoup, Anti. Moi, je veux dire à mon frère Prince que c'est pas comme ça les choses se sont réellement passées. S'il a réellement suivi le direct. Tu sais quoi? Moi, je me dis qu'il y a eu un petit bruit entre eux, bien avant cette histoire. Vous comprenez un peu? Il y a eu un petit... Il y a quelque chose qui s'est passé bien avant cette histoire-là. Vous comprenez un peu? C'est la goutte d'eau qui a été trop, au fait. Voilà. Chacun d'eux a eu un petit truc. Tu comprends un peu? Tu viens sur un direct de ton soi-disant chéri et quoi? Bon, je ne sais pas. Bon, on suppose que c'est ton chéri. Tu viens sur son live. Tu lui fais comprendre que oui, tu n'as pas aimé la manière dont il a parlé avec ses femmes. Il te fait comprendre que oui, j'ai déjà réglé cette histoire-là et je me suis excusée. Automatiquement, tu arrêtes. Automatiquement, tu arrêtes. Du moment que le gars te fait comprendre que c'est avec ma team, c'est avec mes femmes, j'ai déjà réglé cette histoire-là avec eux. Il ne s'est pas emporté tout d'un coup. C'est quand il continue, il dit non, 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 tu es sûr et tout. Il dit arrête. Il dit Kim, arrête. Tu sais que ce que tu es en train de faire, j'aime pas. Elle disait bébé chou, j'ai compris. Il dit non, j'aime pas, arrête. Il faut arrêter. Tu peux lui parler en PV, tu as son PV. Mais le truc même s'est passé pas aujourd'hui, ça s'est passé peut-être avant que tu viennes intervenir. Donc, tu avais tout le temps même de lui parler en inbox. Ou bien, tu avais tout le temps même de lui parler en inbox. Et ce qui va envoyer même le problème même plus loin, ce sont les parents qui sont à côté. C'est tout sa grande, sa tante là. La manière dont elle a parlé aux parents de Axel, on parle pas comme ça à une grande personne. C'est soi-disant parents. Si les Benoît veulent se lever pour faire ça, pour chacun de nous veut se lever pour défendre sa personne, ça va devenir un truc de continent. Et c'est ce que Lolo Beauté est en train de faire. C'est ce que Lolo Beauté est en train de faire. Parce que de toute façon, elle est en train de dénigrer le jeune, le mettre à la vertu populaire. Pourquoi on dit que lui, le jeune ne respecte pas, le jeune n'est pas bien, le jeune est ceci, est cela. Qu'est-ce qui prouve que réellement, la petite fille-là, elle est réellement ce qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas sounoise? Qu'est-ce qui prouve? Arrivez à un moment donné, voyez la vérité en face. Ne tournez pas autour du pot. Ne tournez pas autour du pot. Et puis regarde comment même le Marco Sola même en train de parler hier, regarde comment il a parlé à une femme pour lui traiter de insulter les parents de cette femme, un pasteur qui insulte les entrejambes à tout moment des femmes. La femme a dit quoi de mal? La femme a juste dit que ah, est-ce que tu es sûr que ta fille est heureuse? Il a commencé à s'enflammer. Ma fille n'est pas heureuse, tu es sa maman. Il a commencé à insulter en bas de la femme. Allez-y voir la rédivision. S'il te plaît, elle n'a pas dit ça, hein. Elle n'a pas posé une question, elle a donné une affirmation. Elle a dit ta fille n'est pas heureuse. Et il a dit que, comment que tu es sûr. Non, elle n'a pas donné une affirmation, elle a posé une question. Attendez, je vais parler s'il vous plaît, je vais conclure, je vais laisser la parole aux autres. Je ne suis pas la seule personne à parler ici. Je vais conclure et donner la parole aux autres, vous comprenez. Elle a posé juste une question pour dire que, est-ce que tu es sûr que ta fille est heureuse? Il a commencé à s'enflammer, insulter les entrants en bas de la femme et insulter ses parents. Est-ce que c'était logique? Est-ce que c'était important? C'est parce que ces personnes-là estiment ta fille. Et lui-même, il devait avoir la maîtrise sur lui-même d'abord. Voilà. Un pasteur. Puis, même si après, ça t'a fait mal, mais quand même, pour lui-même, son image encore de plus. Axel même, il allait faire quoi même dans la famille Makosso même, Axel même, ça m'énerve, il allait faire quoi, il a vu dans tout dans le pays Côte d'Ivoire là, c'est famille Makosso, lui l'a choisi, Axel même, ça va te mordre le doigt, quand tu vas quitter dans ça, tu vas connaître ta place, tu vas rester avec ta famille, tu vas pas aller te mélanger avec tout et n'importe quoi, et demain ils vont venir te ridiculiser, c'est Axel aussi qui a provoqué tout ça c'est de sa faute, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Et donne la parole à Mourad, c'est ça non? Et Noura, ouvre ton micro, tu as 5 minutes. Mm-hmm. Ce que moi je voulais dire d'abord, ce que, comment elle s'appelle, Kimi a dit, c'est pas normal. Elle n'aurait pas dû, vu qu'il a insisté, il a dit j'aime pas. Elle aurait dû arrêter du tic au tac. Mais maintenant, Axel est très impulsif, très. Moi je le suis, c'est pas maintenant. Et j'ai eu l'occasion de le connaître parce qu'il est ami à ma nièce au Burkina. Il est très, très, très impulsif, mais c'est quelqu'un, il est respectueux.
On peut tout dire de lui, sauf le respect, le manque de respect, jamais. Il respecte les gens. Moi-même, quand il m'a vu, il m'a appelé tantie. Pourtant, lui et moi, on se dépassera peut-être de 2 ans. Mais il m'a respecté. Même chez les Béninois, c'est comme ça. Que tu sois petit, voilà, grand, tout le monde est à beaucoup respecté. Là-bas. C'est quelqu'un, c'est même pas une affaire de Béninois. Beaucoup d'autres font ça. C'est pas une affaire que les Béninois. Même chez nous, au Burkina, quelqu'un qui est ta grande sœur, tu peux dire tata. Voilà. C'est quelqu'un, il est très respectueux. Donc, moi, souvent, quand je vois dans les directs, les gens l'insultent, qu'il a été impoli. Moi, c'est le comportement de Lolo Beauté que moi, je condamne. Elle n'aurait pas dû mettre leur bouche dedans. Que ce soit elle ou Makoso et Camille, ils devaient les laisser régler leurs soucis. Parce que Axel, c'est quelqu'un, il est vraiment posé. Comme il a si bien dit, Kimi, c'est une petite fille de 19 ans. Même entre nous, on a des amis. Moi, par exemple, je ne vais jamais permettre que ma petite soeur va me manquer de respect. Jamais. En plus, devant un public. Ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, je vois que les Béninois sont enflammés, les Ivoiriens également. Donc, il faut faire attention. D'autres ont tendance à c'est dire... C'est parce qu'ils sont fâchés. Et puis, enflammés, voilà, c'est deux choses différentes. D'autres ont tendance à dire notre culture, c'est comme si chacun a sa culture. Tu vois, les Ivoiriens sont un peu taquins. Quand tu ne les connais pas, sur le coup, tu vas commencer à t'énerver. Mais pour eux, c'est de l'amusement. Mais elle allait un peu fort. Étant donné qu'elle allait un peu fort, moi, j'aurais aimé, au lieu que Lolo Beauté sorte pour parler, le traiter de princesse, elle aurait dû dire, ah, ma nièce, excuse-toi, et c'est fini. Vous voyez? Elle s'excuse et puis c'est fini. Parce que de mine de rien, c'est son grand frère. Elle s'excuse et c'est fini. Mais maintenant, de là, moi, je préfère que, bon, on essaie de trouver une solution idoine au lieu que chacun reste de son côté, faire des directs pour dire non, les Béninois sont comme ça, les Ivoiriens sont comme ça. Si on ne fait pas attention, ça va amener d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois dans les directs, hein, beaucoup de gens font des directs. Les gens insultent. On dit des choses. Moi, j'ai étudié au Bénin, j'ai fait 3 ans au Bénin, je connais un peu la mentalité des Béninois. J'ai duré, j'ai fait Cotonou, j'ai fait 3 ans à Cotonou, je connais un peu la mentalité des Béninois. D'autres sont là, dans certains directs, ils sont les insultes. Non, les Béninois, c'est médicaments, c'est quoi, quoi, quoi. Moi-même, ça me faisait rire. Donc, à la lue, là, si on n'arrête pas, ça va créer d'autres choses. Donc, quand vous faites vos directs, c'est mieux de cultiver la paix. Quand vous voyez que quelqu'un va dans le sens... Chez moi, ici, la personne n'a encore dit non chez les Benoît, c'est tout. Depuis que j'écoute, en tout cas, non. D'où je suis montée pour donner mon point de vue. Mais sinon, en même, même là, il en profite dans sa main pour parler des vaudous. Je sais voilà, comment c'est ce que je dis. C'est même pas lui seul. Il y a beaucoup qui font des directs. Je ne vais pas citer leur nom. Ils parlent des vaudous. Moi, j'ai fait 4 ans et j'ai fait 3 ans au Bénin. Moi, je circulais comme je voulais. Histoire de vaudous, là, c'est quand tu ne connais pas que tu vas croire à ça. Oui, oui. Voilà. Quand tu ne connais pas, chacun a son... Quand tu ne connais pas, tu ne dois même pas porter de jugement. Hier, je suis montée dans un direct, j'ai voulu les faire comprendre, ils m'ont insulté, mère con là-bas. Donc aujourd'hui, là, quand Makoso a insulté la fille, la mère con, c'est leur habitude. C'est dans leur culture. Insulter les gens, c'est leur culture. Par exemple, chez nous, non, c'est impossible. Nous, les Burkinabés, on respecte trop la femme, ça ne se fait pas. Non, c'est pas leur culture. Moi, ma mère, ivoirienne, mon père, ivoirien. Attends, c'est pas leur culture, c'est parce qu'ils sont mal éduqués. Ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Yasmine, il vient d'abord. Ah ben, nous, non, moi, je te reconnais dans live de Gabonais, où tu es monté. Et puis, tu as dit que les ivoiriens sont comme ça, non. Non, moi, par contre, je vais te dire un truc aujourd'hui. Ça veut dire que souvent, quand tu veux monter dans les lacs, que tu veux intervenir, tu sais, c'est pas la peine d'aller dire ce que tu ne sais pas. Ça paraît, c'est même manière aussi, on peut dire que non, au Burkina, il y a d'autres personnes. C'est pas tout le monde, on va pas généraliser. Non, fallait pas généraliser dans ce live des Gabonais, là. Ça veut dire que certaines personnes, une seule personne peut insulter comme façon Makoso a fait, ça veut pas que c'est tous les Ivoiriens. Mais quand tu as monté sur le live des Gabonais, tu as dit des trucs. Moi, maintenant, tu as dit des trucs. Non, je dis la majorité. C'est là où les gens te reconnaissent ton profil. Tu as dit non, des trucs. Non, je dis la moi, majorité. Est-ce que sont des gars? Tu as dit des trucs voilà. qui n'ont pas été beaux. Non, même quand je dis les Ivoiriens, mais c'est une minorité qu'on généralise. Non, c'est en fonction d'une minorité en général. Quand tu montes sur un live et puis tu t'en donnes ton avis, et puis tu es monté chez le Gabonais là, tu ne dois pas dire que la Côte d'Ivoire même est là. C'est-à-dire que même en crise, ils sont en train de soulever, la bouche est partout. Le Mali, quoi. Tu ne devais même pas le faire. Tu ne devais même pas le faire. Surtout entre nous et puis vous là. C'est comme alliance. On se taquine même entre nous. Et puis, ça ne va pas quelque part. Tu vois, ça ne va pas quelque part. Moi, ça m'a fait un peu mal ce jour-là. Quand tu es monté et puis tu parlais, ça m'a fait très mal.
Parce que je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés burkinabés. Et moi-même, c'est que physiquement, j'ai beaucoup d'amis et des amis d'enfance burkinabés. Mais quand j'ai attendu ça de toi, mais de ta part, moi, ça m'a fait très mal. C'est que quand j'étais montée, j'ai fait ma demande, mais malheureusement, quand je suis montée, toi, tu étais déjà descendu. Donc, tu vois, chacun, ça veut dire que sur les panels, là, chacun monte, tu ne sais pas ce que l'autre va venir dire. C'est sur les mêmes panels aussi qu'on monte sur les deux panels qui sont d'insulter tel pays. On dit non, ne généralisez pas. La personne qui a eu le droit de monter pour vous insulter, à cette personne-là, vous l'insultez du haut juste en bas et puis il descend. Mais vous n'allez pas mélanger tout un plan. C'est mais c'est ce que je te dis aujourd'hui là, comme bon, ça ne fait pas partie du sujet, mais je prends un exemple. Les Maliens, là, ils sont sortis aujourd'hui. Beaucoup font des directs pour insulter, mais ils disent tous les Maliens. Ils ne disent pas quelques personnes qui sont sorties. Donc, pour te c'est dire, ça, elle dit là, c'est ça, elle dit là. Quand c'est comme ça, là, quand tu montes dans un live, ça veut dire que le pays, ça fait pas là, bah, aïe. Maintenant, tu ne voulais pas aller parler même de ça. Si tu es parti, tu dis que non. Peut-être si tu montais, mais tu disais que, ah, essayez de vous calmer. Peut-être le palabra, le Gabon, entre la Côte d'Ivoire, essayez de résoudre. Mais mélanger d'autres pays, tu ne devais pas le faire. Mélanger en quoi faisant? Il a dit, ce jour-là même, là, moi, je ne suis pas montée, j'ai bien suivi le live, là. C'est maintenant que je vois son visage. Elle était très cruelle envers nous, envers les Ivoiriens. Parce que ma mère ivoirienne, je me mets dedans. Elle était très cruelle. Parce que quand vous parlez comme ça de l'autre côté, là-bas, quand vous venez, je vous parle doucement. Vous dénigrez dehors, quand vous rentrez chez eux, d'accord, a, vous parlez bien. Laisse-la comme si elle donnait la parole aux autres personnes qui sont là. C'est pour enchérir seulement. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Faut essayer de conclure. C'est ce que j'avais à dire. Si vous avez autre chose, comme ça ne fait pas partie du sujet, vous pouvez m'écrire en inbox, on va mieux discuter. Sinon, si c'est la Côte d'Ivoire, moi, j'ai donné mon point de vue. Ce que je... Ton profil, là, ils vont te récupérer quelque part là-bas. La Côte d'Ivoire, là. Moi, mais t'encourages même de monter sur...